Comme nous connaissons que c'est une gros bagaille que AHF toujours fait chaque année, c'est commémorer la journée mondiale SIDA qui est le 1er décembre. Ce qu'on est tombé mercredi, Capina, nous décidons nous-mêmes pour nous faire le week-end avant le 1er décembre. So, comme nous connaissons AHF avec Health Wars, nous travaillons en équipe. So, nous venons là pour nous faire l'activité que nous avons fait. Nous avons l'activité que nous avons fait là, samedi qui est 27. C'est un cocktail que nous avons fait là, Hôtel Roi Christophe. Et lundi, dimanche, nous avons l'activité là, gymnasium là. Côté nous avons fait l'activité, nous avons fait le testing, nous avons parler de prévention, nous avons fait un match en basketball avec différentes écoles. Côté l'école, ça, on est déjà allé à faire sensibilisation avec Timounio. Nous avons fait différentes activités, nous avons fait tout pour nos caps que nous décidons d'aller ça. Comme nous connaissons une petite tension dans la pauvresse, et nous voulons toujours continuer à commémorer la journée, si nous décidons entre Port-au-Prince, avec nos caps, pour nous faire activité. Deux jours d'activité. Premier jour, c'est un cocktail. Cocktail, nous faisons pour nous réunir acteurs clés qui sont dans le département. Il y a directeur de l'école, pasteur, professeur, mairie et tout acteur qui a influencé pour nous faire lutte contre le VIH. Parce que sans monde, il va arriver finir avec le VIH en Haïti. Et comme nous connaissons au Cap Sion, il faut être très brisé, il faut être en pile. Qui a parlé de la concernant le VIH, nous venons spécialement pour décentraliser non seulement l'activité à HF dans le pays, mais pour être capable de faire un bon rêve et sensibiliser tout le monde, tout acteur, tout influenceur, tout le monde qui sont en leader d'opinion pour être capable de faire travail. Ça, c'est pour ça que nous avons un cocktail là, un cocktail de solidarité. Et je vous dis, machin tout, nous avons une journée de solidarité. C'est parce que c'est ensemble, nous avons mettre ensemble pour nous bloquer le VIH, non seulement dans le Cap, en Haïti et dans le monde entier. En fait, j'ai que le thème dans le nous réitérons le thème de passée qui était SIDA, pandémie, ça toujours là. C'est pour nous rappeler que même pendant le corona, on a fait des dégâts dans le monde. Là, SIDA continue à faire des dégâts parce que pendant le corona, il y a des gens qui ont fait sexe sans protection. Donc, il y a toujours qui ont pris VIH. Là, donc, c'est pour nous rappeler que même pendant le corona, pendant qu'il y a protégé contre le corona, pour un vaccin, mais il faut toujours protéger les gens, soit mettre préservatif, soit faire test pour qu'on prenne stature. Et là, on prend stature. Vous pouvez prendre une décision. Si positif, vous prenez un médicament, vous ne pouvez pas mourir. Si négatif, vous continuez à être négatif. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous continuons à travailler. Ça. Et nous allons dans tout le département dans le pays déjà, mais chaque année, nous choisissons un côté différent pour nous commémorer. Je ne sais pas qui rappelle nous. Déjà plus que environ 40 ans que SIDA est entré dans le monde, ils font pile les gars. Il y a déjà plus que 33 millions de monde qui sont victimes de maladies qui mourent, qui sont affectés, qui sont infectés. Donc, nous devons ensemble rappeler ça et tout, rappeler non seulement qu'il a commencé, mais je dis, le travail qu'il a besoin de continuer et de tout le monde là-dedans. Nous avons déjà commencé à toucher mon nom, soit dans la formation que nous faisons, soit dans le message que nous voyons sur les médias, sur les réseaux sociaux, n'importe quel que nous gagnons. Mais, je veux que nous disons, nous devons travailler ça pour que tout le monde entre là-dedans avec nous. Parce que nous sommes capables, en tant que spécialistes en santé, côté ça nous côté, mais si nous devons agir et transférer à plus de monde possible.